Mon cher nos amis, et c'est avec un peu de plaisir que nous rencontrer dans le ça pour nous capables réviser belles leçons que nous avons étudiées tout au cours de semaine. Semaine ça, nous tenons leçon 11, Joseph, maître des rêves. C'est thème que nous avons développé ensemble tout au cours de semaine. C'est le moment pour nous capables réviser ensemble belle étude ça. Mais bien avant même que nous rentrions dans la révision, à nous prier bon Dieu. Papa, nous qui sommes dans le ciel là, c'est pour nous bénir, c'est pour nous louer, c'est pour nous exalter dès maintenant et pour toute l'éternité. Merci pour tout ce que vous faites pour nous et pour ça encore, continuer à faire dans la vie. Nous. Tandis que nous arrivons dans la fin d'étude maintenant, ensemble, je dis à nous pour réviser l'étude ça. Nous avons au Père qui va accorder nous le Saint-Esprit pour nous comprendre et mettre en application parole. Béni, dirige, protège, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Moi, je veux remercier mes amis pour ensemble d'efforts que vous-même vous avez fait chaque jour pour capable étudier le son école du sabbat. Pas oublier chaque fois fini étudier, moi toujours prendre plaisir encourager vous pour partager le son avec entourage pour faciliter plus monde capable arriver étudier le son école du sabbat. Et sous pas quoi abonner, m'a dit pas hésiter faire ça et encourager l'autre monde faire même gens ensemble avec vous. Ce maintenant, leçon 1 c'est leçon 11. Joseph Maître des rêves, verset à mémoriser, Genèse 37, verset 19. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faisceau de songe qui arrive. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faisceau de songe qui arrive. Genèse 37, verset 19. C'était verset nous t'ai gagné pour nous te mémoriser dans le cadre étude pour semaine ça. Eh bien, leçon 1, c'est une leçon. Et qui te gagne comme personnage central, Joseph. Et c'était premier personnage, c'est personnage principal des thèmes que nous avons étudié pendant toute semaine. Et nous avons vu Joseph comme étant Sila, qui est considéré comme étant maître des rêves. Joseph gagne capacité ça, bon Dieu doté de faculté ça, de capacité ça, pour que non seulement il est capable de joindre des songes, mais aussi interpréter. OK, c'est surtout interprétation Joseph qui fait considérer Joseph comme étant un maître eh bien des rêves. Eh bien nous te voyons à travers étude maintenant et yon Jacob qui t'a gagné et plusieurs petits garçons mais ça qui était plus petit à qui c'est Joseph Noël était gagné une appréciation beaucoup plus pour Joseph que l'autre monsieur raison simple. Parce que l'idée fait Joseph dans l'âge qui a avancé par rapport avec l'autre monsieur. Il était en petite classe plus grand monde, plus âgé lorsqu'il était fait Joseph que l'autre monsieur. Et bien nous, il était gagné un penchant. Il était plus remé Joseph. Il était plus favorisé Joseph que tout l'autre petit garçon que lui-même était gagné. Et bien c'est comme ça, nous avons parlé de simplicité et spiritualité des jeunes garçons, ça qui c'est Joseph. Et bien il a parlé. Paraître en opposition avec caractère et mauvaise réputation de que frère Lio te gagne et ça t'a pas permettre que monsieur yo te vienne détester Joseph mais malgré toute et mauvais bagaille que nous te ouais monsieur te fait avec Joseph malgré toute erreur déplorable que nous te capable trouver entre Genèse 37 pour venir dans Genèse 41 nous ouais bon Dieu c'est lui-même qui était au contrôle. Malgré tout ça nous est arrivé, bon Dieu, tu es au contrôle. Eh bien, frère Joseph yo, tu détesté Joseph pour qui ça? Première raison, c'est parce que papa monsieur qui c'est Jacob, il était gagne préférence. Dans toute petite il était gagne yo, eh bien c'était Joseph qui lui-même il était pire aimé. Et deuxième bagaille qui t'a fait monsieur détester Joseph, c'est parce que Joseph toujours abaye papa rapport de conduite frère Lio. Frère Lio te gen mauvaise conduite. Eh bien, Joseph toujours abaye rapport. Eh bien, ça devine cause. Nous t'avons dit Jacob, nous t'avons dit t'es gen intention placer Joseph, eh bien, en premier né au-dessus de tout frère Lio. Pendant ce temps, c'est lui-même qui était pipiti. Et l'autre bagarre qui t'a pas la cause que monsieur était détesté Joseph, c'est parce que Joseph fait deux révélations. Deux révélations qui s'allouent. Première, c'est un Jeb Liwe. Liwe, et bien tout le monde
et bien lui est jeté par là-haut et puis lui est toute l'autre yo et bien yo prosterné devant. Rêve la fait monsieur détester Joseph. Joseph vient font l'autre rêve encore qui ça lui et bien lui est soleil là, lui est la lune et bien après ça lui est 11 étoiles et bien yo prosterné yo à genoux devant. Ça encore vient fait monsieur yo détester Joseph. Et bien yo dit papa Joseph avait un mandat comme ça, et bien j'ai dit à là, et bien nous allons prosterner devant. Et à cette époque, Joseph c'était lui-même qui était petit. Et bien monsieur yo pas capable de courir, et bien ça. Et bien plus que ça, monsieur yo, yo vient détester et bien Joseph. Et monsieur yo pas fait l'autre plan. Plan monsieur yo, c'est pour yo capable éliminer Joseph. Même j'ai proverbe créole l'a dit, ça bon Dieu est réservé pour vous, la valasse pas capoté l'aller. Et nous voilà Joseph, un jour, frère Lio, et bien, al mari, bête yon arrangé, monsieur al fait bête yon manger pour yon barre de l'eau. Et puis, monsieur yon pour rentrer, Jacob brille Joseph, vous le dit, et bien, est-ce que faut yon pas aller dans l'arrangé al fait bête yon manger? Joseph dit oui, et bien, il dit, allez pour yon comment frère yon. Et Joseph te décide pour l'aller, pour la louer comment frère yon. Et Joseph décide, et Joseph allait, mais, Joseph son nèg que bon Dieu avec lui. Bon Dieu toujours mettait moun sur route Joseph pour capable défendre Joseph, pour capable placer Joseph et bien côté li doit placer pour orienter Joseph. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jacob voyait Joseph à le comme monsieur yo? Pendant que Joseph allait, Joseph troublé de route. Et puis Joseph pour aller croiser par hasard avec un homme bien qui pour aller orienter mais qui côté pour le faire. Et ça qu'pas passé encore lorsque Joseph ouais frère Lio qui ça qui était dans main monsieur yo c'est pour être capable de tuer Joseph mais Ruben en tant que plus grand et ben il va le déconseiller monsieur il était gain un objectif pour qu'il capable de sauver Joseph ben qui ça le fait il dit monsieur et ben au lieu pour nous tuer c'est frère nous les qui ça nous va le tirer dans ça si nous tuer on nous la gueule dans puits mais il était grand puits puis a pas gain de l'eau mais il dit ça dans intention pour qu'il capable venir prendre Joseph après pour le mener bye bye mais monsieur là qui Joseph vraiment en puya ah, malgré ça monsieur yo yo décidé pour tuer Joseph ben laisse ça Judas et ben yo nan frère yo pour al dit monsieur on nous pas fait ça et ses frères nous lié si nous tuer nous pas rien à bénéficier nous pas qu'à faire sans frère nous couler nous pas faire sans couler et ben comme nous Ismaël tu as passé là et ben qui ça n'a fait n'a prendre Ismaël tu c'était mon tout qu'on a acheté des produits et ben dit il y a vendre Joseph en tant que esclave et monsieur vendre Joseph vraiment avec Ismaëlito et Ismaëlito lui-même mais qui s'est passé les messieurs fin tout et fin vendre Joseph ben pour yo capable porter un rapport bay papa yo qui ça yo fait yo touye un bouc cabrit et puis yo prend rat qui était sur Joseph là belle rat qui papa a fait pour lui qui était plusieurs couleurs monsieur prend yo touye cabrit là et puis yo passer l'encens et puis yo porter le bay Jacob yo dit Jacob gardez pour ouais est-ce que rat ça il pas assemblé avec rat et ben petit toi. Et lorsque Joseph dit oui c'est petit men monsieur dit eh ben il y a une bête féroce qui mangeait Joseph pendant ce temps c'est vendre monsieur vendre Joseph et qui s'est passé lorsque Joseph arrivé en Égypte eh ben monsieur va vendre Joseph avec eh ben Potiphar qui c'était un chef eh ben et prison un chef de garde un commandant que eh ben et Potiphar lui-même l'était mais après ça l'histoire va le faire camper nous va tomber nan causé Judas avec Tamar. Mais t'as semblé après que monsieur te fin vendre Joseph là, que bagay ki pa passé, pa ki pa marché bien. Pral gen yon séparation en Judas ensemble avec frère yo. Mais Judas pral prend yon fille nan mitan kananéen yo, et ben fille ça pral faire trois petites ensemble avec lui. Li pral faire Er, li pral faire Anon et puis li pral faire Shela. Et qui ça passé? Et Judas pral prend yon femme qui relé Tamar pour Er qui c'est premier petit garçon. Er mouri et bien li bay Onan qui c'est deuxième petit garçon et Onan mouri mais monsieur ça mouri c'est parce que monsieur t'a fait ça qui pas dans volonté bon Dieu t'a fait des choses que bon Dieu pas prendre plaisir donc capable dire c'est bon Dieu même et bien qui éteint souffle monsieur ça et qui s'est pas passé Judas va le promettre avec Tamar lorsque chez la grand parce que chez la tout petit il dit la bali chez là mais nous parler lorsque chez là et bien commencer grand qui s'est pas passé madame Judas va mourir et Judas besoin consoler au lieu pour le bail et bien et petit garçon avec et Tamar pour le marier chez là avec Tamar et bien et
qui ça le fait, il va entrer plutôt en prostitution ensemble avec et Tamar. C'est pas parce qu'elle te connaît vraiment, c'était Tamar, mais Tamar t'a utilisé une ruse puisque lui ouais et Judas pas baliché là vraiment comme mari. Et bien qui ça le fait, il t'a utilisé une ruse, il t'a comporté comme une prostituée et nous jusqu'à ce qu'il devine passer un temps dans une relation sexuelle ensemble avec Judas qui c'est beau-père et il t'a voulu enceinte et bien pour Judas. Mais nous et mal ça. Eh bien, il t'a pas changé un bien. Pourquoi ça? Parce que lorsque Judas vient apprendre, c'était Tamar, eh bien, qui c'est belle fille, eh bien, t'es venu enceinte, lui t'es venu, on s'y j'en indigné ça. Mais il pas, j'en connais si c'était pour lui. Mais après ça, il vient prendre conscience, eh bien, il vient prendre conscience, il était mal agi, et après ça, nous parlons mal ça, il vient transformer un bien. Pourquoi ça? Parce que nous parlons Tamar, pral, eh bien participer comme étant monde qui fait partie des généalogies Jésus et nous allons Tamar tout c'est pral premier des quatre femmes qui mentionné dans sa nouvelle généalogie de Jésus et après ça nous pral tourner dans cause Joseph. Joseph connaît la caille Potiphar. Joseph a bien fonctionné parce que bon Dieu a accompagné Joseph. Tout ça Joseph manyen eh bien tout yo connaît réussi. Tout ça Joseph fait ses succès seulement parce que bon Dieu t'a accompagné Joseph. Mais ça qu'pas passé. Pendant Joseph la caille et bien Potiphar, et bien tout ça Potiphar a gagné, il quitte toute sous responsabilité Joseph. C'est Joseph qui a géré, Joseph c'est intendant, Joseph gère toute bagaille. Mais puisque tout ça Joseph moi bagaille a prospéré, madame Potiphar vient gagner j'ai sous Joseph. Pour qui ça parce que Joseph son beau petit garçon, il a bien campé, il est belle de visage. Et bien ça qu'pas passé, madame Potiphar tombé. Eh bien, d'amour Joseph en décal. Eh bien, chaque jour, il a demandé pour Joseph coucher ensemble avec lui. Mais Joseph refusait faire ça parce que Joseph dit, il n'a pas qu'à faire un grand mal comme ça. Parce que mettre les balles doigts sur toute bagaille qui est dans la excepté madame, ni, il n'a pas qu'à commettre un si grand péché. Et chaque jour, c'est comme ça, c'est comme ça. Eh bien, un jour, madame Potiphar a décidé de mettre les mains sur Joseph. Et lorsque il met les mains sur Joseph, eh bien, il dit, Joseph, je dis à vous, couchez ensemble avec lui. Et eh bien Joseph courit et regarde Joseph était dans main. Et lorsque Marie vient, eh bien il dit Joseph t'est venu pour coucher avec lui pour te violer. Et eh bien il pas d'accord. Et eh bien dans bataille, et eh bien Joseph courit et eh bien il prend rad là et eh met rad là. Et lorsque Potiphar lui-même l'entendait ça, il pas fait l'autre bagaille. Il vient, il prend Joseph, il mettait Joseph dans prison. Mais dans prison, hein, lorsque Joseph entre dans prison, il hein, y a trois bagailles que bon Dieu fait pour Joseph. Bon Dieu fait trois bagailles pour Joseph. Bon Dieu t'a accompagné Joseph en prison. Bon Dieu t'a fait Joseph miséricorde. Et bon Dieu t'a fait grâce aux yeux du chef de la prison. T'a fait Joseph grâce. Joseph en est en prison. Et bien, c'est Joseph, et bien, chef de prison, qui a commandé tout l'autre prisonnier qui était en prison. Mais une fois de plus, Noé, il a confié Joseph une autre responsabilité. Joseph, en dépit de toute bagaille, ça, Joseph n'a pas jamais oublié bon Dieu. Moi-même avec vous de nos jours, lorsque nous bénéficions de quelques avantages, nous avons tendance à entrer dans un compromis. Nous avons tendance à oublier bon Dieu nous. Mais nous, Joseph, tu étais fidèle. Malgré qu'il est allé en Égypte en tant qu'esclave, sorti la caille Potiphar, il a bien fonctionné, il a prospéré, tout ça le fait. Eh bien, il connaît le succès là-dedans, il a réussi. Il a mis en prison pour un bagage qui est info et il est venu en prison encore. Joseph va le passer comme chef. Mais tout ça, yo, eh bien, yo pas déranger Joseph, Joseph t'est resté eh bien fidèle ensemble avec bon Dieu. Mais qui ça qui va le passer? Pendant que Joseph dans prison, hein, t'es gagné des prisonniers qui dans prison qui te connent travail avec Raphaël. Et monsieur Yonadeo, c'était un pantier et l'autre là, c'était et non échappé mais Géon c'était un pantier, Géon tout c'était un boulanger. Yo chaque yo te gagné un échanson avec yon pantier. Et chanson, Wally, c'était bay ou à 20 pour le bois. C'est lui qui te conservait manger. Boulanger, ça nous le pantier. C'est lui même qui était là pour être capable eh bien, préparer toute nourriture pour moi. Et bien, qui ça qui passe? Monsieur, ça a été fait un bagage qui n'a pas fait ou à plaisir ou à mettre monsieur dans la prison. Mais pendant monsieur dans la prison, Joseph, c'est lui même qui vient chef monsieur dans la prison. Et tous les deux monsieur, chaque bral fait un rêve. Et lorsque Joseph arrête le matin, bon côté monsieur lui a monsieur triste, il dit monsieur ça passe comment fille qui nous fait et eh bien blême comme ça. Monsieur dit bon, monsieur nous fait un rêve là
pas de monde qui est capable d'expliquer. Et chaque monsieur explique le rêve là. Et Joseph bail monsieur une interprétation de sa rêve là. Et Jean-Joseph te bail et bien explication yo, c'est comme ça bagay yo passé. Et chanson, il t'a retourné dans place li. Après 3 jours, il t'a retourné dans place li. Et panse après 3 jours, ou a tapane. Et Jean-Joseph te dit là. Te bail explication, c'est comme ça bagay la li même li passé. Et Joseph te dit avec chanson, lorsqu'on arrive, et bien écoutez, wa, fait wa son jim. Ok, Joseph t'a pensé, et bien avec ça, il t'a pral libéré. Il t'a pensé, il t'a pral une libération rapide, il t'a tant. Mais ça pas jamais arrivé. Et qui s'est pas passé? Oda là, c'est roi Pharaon qui pral faire deux révélations. Première révélation qui ça loué, il pral loué, mais bon rivière, il a gagné 7 bœuf gras, mais qui a boit de l'eau. Après 7 bœuf gras, il a boit de l'eau, il a gagné 7 bœuf maigres. Qui paraît qui valait mais qui mangeait 7 bœuf gras et lui ouais 7 bœuf mais yo yo était même gens dormi brel. Après ça il réveillé pendant dans dormi il font l'autre révélation qui s'est passé lui ouais gagné 7 épis blé lui ouais grand épis blé qui paraît gagné 7 épis la donne qui mégrossait et après ça lui ouais 7 épis encore qui et qui sèche qui laide et bien qui s'est passé, il pas qu'à comprendre. Li voye rele tout monsieur qui nan royaume nan, tout magicien, tout astrologue, tout moun qui gen connaissance nan royaume nan, li rele tout yo n pa ka ba li explication. Et bien c'est là ça et chanson hein pour al songer Joseph. Et puis il pour al parler et bien roi de Joseph et roi pour al voye rele Joseph. Mais yo n'a pas gagné nouvelle la Joseph. Joseph en tant que serviteur bon Dieu, Joseph pas fait tête li passé lorsqu'il arrive côté roi. Roi dit bon mon cher moi apprendre nous dit mon cher ou c'est qui kon qui kon expliquer tout songe de pour ton dans songe là depuis mon fond rêve là l'idolé ou ba explication. Joseph frère dit non c'est pas moi mon roi et bien c'est plutôt l'Éternel qui a révélé songe là. Moi même pas connait ça montre l'humilité la ca Joseph. OK ça montre humilité la ca Joseph. Moi même ensemble avec vous les bon Dieu utilise nous pour nous faire un bagaille. Pas fait tête nous passer. Nous, Joseph, pas fait tête lui passer. Mais Joseph dit plutôt, eh bien, bon Dieu, eh bien, qu'a fait tout bagaille, c'est bon Dieu qui a révélé ça. Et nous, Joseph, t'apprends le bail, explication appropriée, ensemble avec rêve pharaon. Et même côté, Joseph, fin de explication, eh bien, Joseph t'a expliqué, ouais, mais ça peut arriver, il y a 7 années, côté que produit que vous avez planté, il y a récolté en pile. Et tous les dérèves, il te dit tous les dérèves, c'est même bagaille, il va le planter et ça va planter à la baie, résultat, la baie en pile fruit, en pile récolte, mais qui ça peut faire pour gagner 7 années de sécheresse. C'est 7 années d'abondance et après ça c'est 7 années de sécheresse. Et dans 7 années d'abondance là, faut que yo placer un monde qui pour capable gérer manger qui va faire pendant période ça et pendant période après 7 ans après pour que peuple là même les pas mourir grand coup. Et Joseph te dit avec ben pharaon c'est pour placer un monde qui gagne connaissance qui est capable de gérer ça pour que le peuple n'allait pas souffrir de l'avenir. Et en réalité, et Pharaon va dire, ben si c'est vous-même qui révélez les songes là, est-ce que vous avez un monde qui est plus intelligent parce que et nous allons voir, c'est Joseph, vous allez confier responsabilité ça. Mais il n'y a pas de quelqu'un qui est capable de dans la vie Joseph. Nous, Joseph, c'était un jeune garçon qui était levé la caille papal. Et malgré Joseph était allé dans un pays étranger, en esclavage, en captivité, Joseph t'a toujours été fidèle ensemble avec bon Dieu. C'est parce que Joseph t'a songé toute histoire pas te qu'on a raconté, toute expérience pas te faire ensemble avec bon Dieu, et ben Joseph t'a apprendre toute bagaille ça. Joseph malgré t'es loin pays, mais Joseph pas oublier bon Dieu. Moi même ensemble avec vous. Petite nous yo, on nous enseigne yo expérience nous faire ensemble avec bon Dieu. On nous apprendre nous connaître bon Dieu, quel que soit côté yo rivé a, il y a toujours gain la crainte de Dieu. Parfois, nous mettons dans une grande université, dans une grande école, nous faisons un pile d'autres bagailles pour eux, mais nous ne enseignons pas la voie de Dieu, nous ne enseignons pas pour eux qu'on est bon Dieu. Ça a une cause, là où ils grand ou bien là où quitter la caille, nous, mais qui s'est passé, ils viennent déroutés. Mais nous, Joseph, tu étais fidèle ensemble avec bon Dieu. Malgré que tu as connu tout moment difficile, mais tu as toujours fait bon Dieu confiance. Moi-même, ensemble avec vous, on nous fait bon Dieu confiance. Même là, parfois, nous ne connaissons pas même réussite ensemble avec Joseph, même succès avec Joseph. Mais quelles que soient les circonstances que nous capables à en nous fait bon Dieu confiance. Et ben nous Joseph, il était fait bon Dieu confiance.
li te rete konfye nan bon Diye, nou wè, kelke sa kote Joseph ya, bon Diye leve nan dignite. Bon Diye te toujou ansama avèk Joseph. Nou ansama avèk ou jodi ya, an nou ete fidèl avèk bon Diye. Kelke sa, sa moun kapap fè pou yo mette nou a la ke, bon Diye ap toujou mette nou a la tèt. Tout sa ou fè pou yo mette nou an ba, bon Diye ap toujou mette nou an ro, men an sel kondisyon ke mwen mèm, ke ou mèm nou ete fidèl ansama avèk bon Diye sa. E ben, se te revizyon, leçon que nous avons étudié pendant toute semaine, qui c'est leçon 11, Joseph, maître des rêves. Verset à mémoriser, Genèse 37, verset 19. Bien avant même que nous allions, nous prions bon Dieu. Merci mon papa pour parole. Aidez-nous pour que nous soyons fidèles avec Joseph, afin que nous soyons connus succès dans tout ce que nous avons fait. Béni, dirige, protège, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Déjà, je vous souhaite un bon week-end, bon sabbat, bonne adoration, et que Dieu vous bénisse.